vendredi 24 juillet 2020 et je vais shooter pour ma collection capsule avec Adopt. Gros shooting, gros set, grosse équipe, grosse ambiance, grosse motivation. Y'a Cléa, la photographe. Bonjour. Je suis trop contente. Pression. Découvrir le set. Ah oui. Tu vois, c'est vraiment un home studio. Ça va être cool. En fait, sur chaque set, tu vas shooter. C'est hyper formel où on peut. Ah non, rien de formel aujourd'hui. Ah mais tu t'amuses. Voilà. Comme tu fais ce que tu veux. Donc tu sois toi. Si la tenue est formelle, si l'attitude est. Tu fais ce que tu veux avec. Okay. Tais-toi. Voilà. Okay. Après, on peut essayer le, tu sais, le violet. Non mais on va te faire un marchepied. Hein. C'est pour de vrai là que je vous fais la vidéo ou c'est pour de faux? Ça fait tellement longtemps là, moi je ne sais plus. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très très bien et aujourd'hui je suis mais alors dans un état de surexcitation. Là vraiment on est dans du no rules. Je suis super contente, super émue dans tous mes états de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Normalement vous verrez ça le 14 octobre et depuis hier ma collection avec Adopt est en ligne. Et dans toutes les boutiques Adopt... Ça veut dire que s'il y a une boutique Adopt dans ta ville ou pas trop loin de chez toi, tu vas voir ma tronche sur des affiches et mes produits en physique dans une boutique. Vous l'aurez compris, j'ai eu... Je suis trop émue. Oui mais moi déjà je suis sensible. Cette collection elle est arrivée à un moment donné dans ma vie où j'avais besoin d'un projet comme ça. Et ça m'a genre sorti la tête de l'eau. Vous savez pas à quel point c'est mon bébé. Ah ouais moi les gars quand je choisis un projet, quand je me mets dedans, c'est toute mon âme qui part dans le projet. Adopt c'est une des premières marques que j'ai acheté en étant adolescente. La lumière est catastrophique, c'est à dire que là vraiment on va se retrouver tout seul dans le noir. Mais vous savez quoi, avec de tels produits t'es obligé d'être lumineuse ou lumineux. Donc t'inquiète on va y arriver, vous pouvez faire ce que vous voulez les nuages, hein, y a pas de règle hein. Même filmer dans le noir on peut le faire. Est-ce que la bougie ça fait une petite ambiance? Non, j'y pense. Bref, il y a quelques mois de ça, ils m'ont contacté pour qu'on crée une collection ensemble. Et je pense que quand ils m'ont proposé ce projet, ils ne s'attendaient pas à ce que je sois aussi chiante. Si vous saviez comment je leur ai fait la misère, ma pauvre petite team Adopt, je suis tellement désolée. Mais est-ce que ça valait pas le coup quand même? Parce que les produits quand même, je suis désolée, c'est magnifique hein. Et je vais vous présenter cette collection, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. J'y ai mis beaucoup d'énergie, la team Adopt aussi, ça a pas été facile parce qu'entre temps on a quand même eu le Covid. C'est Adopt qui devait s'occuper de faire la petite tournée de meet-up. Je devais venir vous voir dans 8 villes en France. Avec le Covid encore une fois, c'est quelque chose qui s'avère compliqué. J'ai déjà pas du tout envie de mettre en danger
la team Adopt, ma propre team, moi-même, vous. Quand tout ça sera calmé, peut-être Adopt si vous voulez, on fera quand même cette tournée de meet-up. Moi je dis ça, je dis rien, je pense que les Izettes elles seraient contentes quand même. La lumière est horrible. Non mais il y a un orage les gars. Cette collection, c'est pas parce que c'est la mienne, elle est géniale, je suis obligée de vous le dire. Le premier objet qu'on a créé avec Adopt, c'est ce petit foulard. C'est celui que je porte aujourd'hui. Déjà, il est super doux, c'est-à-dire que si t'as pas de doudou et que t'en cherchais un, tu peux dormir avec le foulard No Rules. Pourquoi j'ai choisi ce nom de collection? Parce que c'est un peu compliqué quand même, hein. Je voulais une collection qui puisse parler à tout le monde, quel que soit le genre dans lequel tu te ranges, si t'as envie de te ranger dans un genre en particulier, quel que soit ton âge, quelles que soient les études que tu fais, quel que soit le travail que tu as. Si tu as envie de porter un truc de cette collection, et bah tu peux, et y a pas de règles. Donc le premier produit, c'est un foulard qui est donc, je vous l'ai dit, super doux. Il est extrêmement grand, c'est-à-dire que bye bye. Et en quoi il n'y a pas de règle avec ce foulard? Parce que tu peux le mettre en mode foulard sur la tête comme ça. Évidemment que tu peux le rouler et tu sais, le mettre en bandana. On peut se le mettre autour du poignet. Bon là c'est pas trop la saison, mais ce printemps, cet été, mais watch me. On peut se le mettre en mode haut. Bon comme ça, ça ressemble à rien forcément, j'ai mon t-shirt. Il est tout blanc avec les bords noirs et dessus c'est écrit No Rules. Ensuite on a créé des petites pochettes. Eh, vous êtes pas prêts de la beauté des pochettes? J'ai envie de pleurer. Non mais s'il te plaît, toi-même tu sais tous les déplacements que je fais, elles ne vont plus me quitter ces petites trousses. Alors là il y a encore les étiquettes parce que je vous ai sorti les versions toutes neuves, toutes belles, tout ça. Celle-là c'est la plus grande pochette et dedans, mais tu peux mettre tellement de trucs, c'est-à-dire que bon, je te spoil un peu des trucs. Et c'est pas seulement fait pour les produits de beauté, etc. Alors forcément, moi je vais mettre mon make-up et mes produits soins. Je te dis que dedans, il y a carrément un carnet qui rentre. Tu peux en faire une espèce de petite pochette. La qualité est juste incroyable, mais quelle fierté. Là je peux pas faire genre la meuf un peu modeste, genre c'est juste une pochette. Non, c'est pas juste une pochette, elle est trop quali, elle est trop belle. J'espère que vous verrez bien la couleur, c'est un rose pastel qui est juste trop trop beau. Je suis super contente et vraiment je vous invite à aller en boutique si vous pouvez, parce que c'est vrai que sur internet on se rend pas forcément compte, mais quand vous allez voir ça en boutique ou quand vous allez commander et que vous allez recevoir, je suis absolument certaine que vous ne vous attendez pas à cette qualité là pour ces prix là, parce que vraiment on a essayé de faire le moins cher possible. Je suis trop contente et je suis fière de la team, ils ont fait un truc de fou. Et ensuite on a la version mini. Alors ça c'est pareil, si vraiment tu veux pas que ce soit le bordel dans ton sac, là t'as la place nécessaire pour juste le gel ou le masque. La trousse spéciale Covid, wouhou, no rules, mais quand même on met le masque. Ou alors un petit parfum spray comme ça qui rentre là-dedans. Je dis ça, je dis rien. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une fana de parfums. Et Adopt, ils sont hyper connus pour tout ce qui est fragrance. Donc forcément qu'il allait avoir un parfum No Rules. Il y a une version 30 ml et une version 100 ml. Encore une fois, moi je trouve les packagings trop beaux. Je trouve qu'on reconnaît Adopt, mais on voit quand même que j'ai mis ma petite patte et que j'ai voulu encore embêter tout le monde. Non mais moi je veux une étiquette noire, non mais je veux des écritures roses, non mais je sais que d'habitude c'est pas comme ça, mais vas-y, No Rules. C'est en vous racontant tout ça que je me dis que vraiment, ils ont été patients. Et en ce qui concerne l'odeur, comme d'habitude, vous savez que je suis nulle pour vous décrire les odeurs. Donc je vais vous mettre les notes ici. Il n'y a pas une seule personne qui a senti ce parfum et qui a pas aimé. Même le jour du shooting, on en a mis, je l'ai porté et tout. Et toutes les personnes qui étaient présentes sur le shooting et qui faisaient pas partie de la team Adopt ni de ma team et qui étaient présents ont dit mais attends, mais ça sent trop bon, c'est quoi le parfum et tout. Mais quelle fierté de dire bah, c'est le nôtre. Les gars, une odeur, mais une j'arrive pas à vous la décrire. Incroyable. Mais quand je vous dis qu'elle est incroyable, souvent vous me faites confiance. Je vous en ai conseillé plein en 8 ans sur YouTube. Il y a jamais personne qui est venu me voir en me disant ah le parfum que t'as conseillé j'ai pas aimé. Prenez-le au moins en 30 ml les gars, vous n'allez pas en revenir de cette odeur. C'est comme la description que j'ai mis sur la petite fiche, c'est pour moi le parfait mélange hyper subtil entre la douceur et le caractère. Vraiment c'est pas pour me la péter, mais je trouve qu'on pouvait pas mieux me représenter en odeur. Tu te dis que c'est un parfum de caractère et qui est assez fort. Et après quand ça commence à s'estomper un peu sur ta peau, en tout cas sur la mienne ça fait ça, ça libère une espèce de parfum qui est hyper doux et qui est hyper réconfortant. Je suis folle, putain c'est mes produits. Le prochain produit c'est un gel douche parfumé. Évidemment qu'il fallait qu'il y ait un gel douche. C'est un gel douche à 88% d'ingrédients naturels, qui a une formule vegan, qui a un packaging 100% recyclable. Et pour l'odeur on est sur une note de fleurs d'osmanthus. Alors est-ce que je le dis correctement? Je ne sais pas. Moi j'aime bien juste le sentir, il me l'avait avec un prêt prononcé, c'est une autre histoire. C'est mon gel douche, genre ça veut dire le matin et tout, vous savez pas, ça fait des semaines je me lave et tout avec mon propre gel douche. C'est pas une odeur qui est uniquement féminine ou machin. Déjà on genre pas une odeur, mais n'importe qui peut porter ce genre d'odeur et je suis trop contente. On reste dans l'instant cocooning. Évidemment qu'il y a un hydratant et un gommage. Gommage au sucre, vous savez que je suis fan des gommages au sucre. On n'est pas du tout sur une texture qui agresse. Pour moi c'est un gel gommage. Ça fait vraiment une texture gel avec le côté hydratation et douceur. Mais dedans t'as des petits grains de sucre qui viennent te gommer la peau. Mais quel bonheur, j'utilise celui-là aussi avant de faire mes autobronzants maintenant. Mais vraiment incroyable, il laisse la peau toute douce. Et je ne cesserai jamais de vous répéter qu'il faut vous gommer le corps les amis, c'est important. Ça c'est vraiment l'un de mes produits préférés aussi. Et c'est pareil, je pouvais pas vous le dire. Dans une vidéo il y a quelques semaines je vous avais parlé d'une brume hydratante parce que je vous disais que les huiles et les baumes pour le corps et tout ça me saoulait parce que ça coulait. Donc je vous ai présenté une alternative qui me plaisait énormément,
mais j'en ai une deuxième et je pouvais pas vous le dire sur le coup. Ce n'est pas un baume corporel, ce n'est pas un beurre corporel, ce n'est pas une huile corporelle, c'est une crème fouettée. Je sais pas si tu vas voir, on dirait vraiment de la chantilly. Au début, je voulais vraiment la manger. Un bonheur à utiliser, mais vous savez pas comment. Déjà, ça sent super bon et en plus, la texture. Encore une fois, je pense qu'il faut que vous ayez ce produit pour vous rendre compte. C'est ultra doux, ça pénètre super bien dans la peau et ce que j'adore avec cette texture, c'est qu'il en faut très très peu. Les amis, un pot comme ça, ça vous fait l'année. Hein. Ça hydrate super bien, ça sent trop bon. Alors moi, j'adore me l'appliquer avant d'aller dormir. Vous le savez, je suis aussi une fan de bijoux. De toute façon, cette collection, elle me représente hyper bien. Encore une fois, on est sur du pas de règles puisqu'au départ, on m'a dit, tu veux du doré ou de l'argenté? J'ai dit, je veux les deux. Les deux se portent en même temps. J'adore associer le doré et l'argenté. Je trouve ça hyper tendance. On est sur des bijoux vraiment, là, pour parler mode et tout, qui sont ultra tendance 2020-2021. Et alors, les bagues, c'est des bagues avec des espèces de petits médaillons comme ça. Tu peux la régler, donc ça, c'est trop trop cool. C'est absolument magnifique. C'est ultra tendance cette année. Sur le médaillon, c'est écrit, encore une fois, no rules. Juste si je peux vous faire une petite remarque, c'est que moi, au bout d'un certain temps, le médaillon, là, en fait, commençait à s'ouvrir un petit peu. Et du coup, de temps en temps, ça tombait. Donc, je vous conseille de checker de temps en temps et de resserrer avec une pince à épiler ou un ciseau. Moi, je le resserre de temps en temps pour être sûr de pas perdre le petit médaillon. Il y a des petits bracelets qui ont rien à voir avec les bagues et rien à voir avec les colliers. En fait, c'est tout le temps le même petit médaillon, mais c'est jamais le même support, entre guillemets. Pour les bracelets, on est sur quelque chose d'un petit peu plus rock'n'roll, avec une chaîne, vous voyez, un peu médaillon. Enfin, je saurais pas comment vous la décrire. Franchement, c'est juste trop beau. Et ouais, pour le coup, c'est vraiment plus rock'n'roll que le collier, vous allez le voir. Que ce soit les bagues, les colliers ou les bracelets, tout le monde peut le porter. Et le dernier produit que vous avez vu en long, en large, en travers et que j'avais pas fait exprès, c'est le collier, la chaîne. J'adore la chaîne, je la trouve magnifique parce qu'elle est hyper discrète. Mais en même temps, tout au long, on a des espèces de petites billes, donc ne serait-ce que la chaîne, elle est trop belle. Et évidemment, on a le médaillon, encore une fois. Vraiment, c'est un peu comme mon porte-bonheur. Et j'espère que ça vous portera bonheur aussi. Et ça, c'est pareil, des fois, je mets carrément les deux, le doré et l'argenté, et c'est juste trop beau. Maintes et maintes fois, j'ai fait mon sport avec ce collier. Je peux vous dire que j'ai transpiré comme jamais avec ce collier, que j'ai pris je ne sais combien de douches avec ces colliers. Il n'a pas bougé, il est comme neuf. Si vous voulez garder plus longtemps vos bijoux, forcément, moi, je vous conseille de pas les mettre sous l'eau. Mais si, comme moi, des fois, vous avez la flemme de les enlever avant la douche ou de les enlever avant le sport, sachez que ça tient très très bien, ça ne bouge pas en fait, tout simplement. Et quelle fierté en fait, voilà. Voilà les gars, c'est mes produits. Plus ça va, moins on a de lumière, c'est assez terrible. J'ai fait ça avec une équipe tellement bienveillante, que ce soit le stylisme, le make-up, la coiffure, ma team à moi, Golden Network, la team Adopt, et puis aussi Cléa, qui est la photographe que j'ai demandé pour ce shooting parce que vraiment j'adore son travail, je la voulais absolument. Et bah tous ces gens, c'était tellement de bienveillance, tellement d'amour, tellement de fun. C'est l'un des meilleurs shootings de ma vie, je me suis éclatée. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce shooting, vraiment. Je voulais profiter de cette vidéo pour remercier Cléa qui a fait des photos juste folles, pour remercier aussi l'équipe vidéo qui a fait des vidéos mais incroyables. Évidemment, je voulais remercier la team Adopt parce qu'ils m'ont supportée. Et qu'ils ont fait un travail extraordinaire, que c'est hyper qualitatif et que je suis hyper fière et hyper honorée de porter une telle collection. Et c'est vrai que c'est plus facile des fois de dire ce genre de choses en vidéo parce que voilà, moi vous savez, les émotions, tout ça, tu sais, je suis taureau, hein, je suis refermée, mais je suis hyper fière d'avoir bossé avec eux et je suis trop contente et j'ai trop envie de refaire. Donc si vous voulez refaire, franchement on refait. Je voulais aussi remercier ma petite Caroline et ma petite Sandrine. Sandrine, c'est celle qui a filmé toutes les images du vlog. On avait commencé à en parler dans mes vlogs de novembre et tout le monde m'a dit mais c'est qui Sandrine? Sandrine et Caroline, c'est les grandes dames qui s'occupent de moi chez Golden Network, qui est mon network, et qui s'occupe de ce genre de projet avec moi. Je voulais les remercier pour leur travail et leur soutien, parce que je sais que des fois, voilà, j'étais pas dans mon assiette, et elles ont su me rebooster et me dire « Girl, il faut que tu mettes un pied à l'étrier », et elles ont toujours su m'encourager et me mettre du baume au cœur. Donc c'est hyper agréable, en fait, de bosser avec des telles personnes. Je suis juste trop contente. Tous les gens, je suis trop émue. Tous les gens qui sont derrière ce projet, en fait, sont vraiment des gens bien et bienveillants. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé derrière tout ça, et on y a mis tout notre cœur, tous. Je croise très très fort les doigts, j'ai la pression. J'ai une la boule au ventre là, j'ai hâte que la vidéo elle sorte et que vous me disiez si oui ou non vous aimez. Je sais que si vous craquez, vous allez kiffer ce que vous allez recevoir à la maison ou ce que vous allez trouver en boutique, parce que vraiment, encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous êtes satisfait de tout ça. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je vais vous laisser parce que j'ai hâte de monter cette vidéo et de la publier. Là, ça y est, je tiens plus en place. Bah non, je peux pas la publier tout de suite, mais j'ai hâte. Voilà, c'était ma collection avec Adobe. Sur ce, moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao! Est-ce que vous avez vu comment j'ai torché mon au revoir parce que j'ai envie de pleurer ou pas? Je me cache! Arrêtez! Vous manquez pas!